bien parti avec une bonne réception et récupération de balles par le pack anglais. Et ici, c'est un petit mol avec un dégagement de Navan anglais, puis la balle au sol. Et Dawson a joué au pied dans les bras de Sandini. À la réception pour l'équipe de France, pris automatiquement par Slotton qui était là pour faire de la pression. Dawson a pu passer à Grayson. C'est une attaque anglaise qui se développe avec Mike Catt qui passe au pied pour Underwood à la lutte avec Ntamack. Oh, Ntamack n'a pas contrôlé l'aplati. Dawson pour Grayson. On élargit le jeu, on rentre à l'intérieur, on a retrouvé Underwood, il a le temps libre Underwood, il prend l'intérieur, oh, l'espace pour Catt qui fait en avant, et l'équipe de France qui s'en sort. Oh, je l'ai vu tout fait cet essai, voilà. Oh là là, quelle faute de Michael Catt. Regardez. Il va passer les bras pour donner à Catt qui n'a pu se baisser pour contrôler cette balle. Récupération du ballon, Rory Underwood pour Catt. L'arrière anglais qui tape en chandelle. Olivier Roumat est à la réception pour l'équipe de France. Prise de balle, Pelou, Roumat. Construction du moule côté français. Et une charge de Benassi maintenant. C'est peut-être le réveil des avant-tricolores. Avec un bon relais de Michel Perrier. Qui renvoie le jeu maintenant dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Ça continue dans l'axe profond par les avant-français. Et on peut élargir peut-être le jeu maintenant. Par une nouvelle charge de Benassi d'abord. Pour fixer une nouvelle fois les Anglais. Et provoquer une faute de l'équipe d'Angleterre. Oui, 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 c'est un prêté pour un rendu. Allez, Thierry Lacroix. Bonne frappe. Bonne frappe, la balle va passer entre les poteaux. 3-3. Allez, touche réduite. On arrive à la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Sur le point. Mon Dieu, bon, c'est mis à la faute là. Alors voilà ce qu'a sanctionné M. l'arbitre, c'est que Merle est venu plaquer le preneur de balle. Il a joué pour justement Benassi, qui a bien pris la balle, mise au sol, mêlée ouverte. Sortie pour Carbonneau. Il va aller chercher certainement Thierry Lacroix. Faut-il que la balle sorte? Et pourtant elle est jouable, on le voit. Le drop. Oh, que c'était bien fait. La balle n'a pas pu être saisie par les Français. Les récupérer vont être par Johnson, mise au sol. Et on va jouer, on percute. Ouh, que c'est mauvais cette introduction anglaise. Johnson, il a trouvé, entré. Johnson à nouveau. Le drop de Grayson, le poteau. Dans le poteau. Et l'équipe de France s'en sort bien. Allez, c'est parti pour Carbonneau. C'est sorti pour Pelou qui garde la balle dans ses pieds. Et Carbonneau va solliciter personne. C'est lui qui joue au pied, comme l'a fait si souvent Dawson devant lui. Benassi pour une relance. C'est le bon moment pour les Français. C'est peut-être l'occasion d'assommer les Anglais. Carbonneau pour Perrier. À une quinzaine de mètres de la ligne anglaise. Carbonneau toujours. Le droit de Castagnard. Il a mis. Petit Castagnède. Thomas, bravo. Et le coup de sifflet de Monsieur McHugh, c'est la victoire de l'équipe de France par 15-12 ici au Parc des Princes. Victoire arrachée par un drop du talentueux Thomas Castagnède avec le culot de ses 21 ans.